Bonjour tout le monde, on va commencer du coup. Merci déjà à tout le monde d'être venu. Donc pour me présenter rapidement, c'est Mboivant, mon login à 42. Là, je vais vous présenter l'association à la fois en français et en anglais. Donc à la fin, il y a d'autres membres actifs de l'asso qui vont intervenir et on aura un temps réservé pour les questions. Donc à ce moment-là, on prendra les questions dans le chat, dans le Slack, donc dans un thread dans le canal d'APT42. Ou sur un Framapad pour les personnes qui n'ont accès ni au Slack de 42 et qui n'ont pas non plus de compte Twitch. Alors déjà, pourquoi on a choisi ce nom? En fait, APT, ça signifie Advanced Persistent Threat, et les groupes APT, ce sont des groupes en cybersécu qui mènent des opérations organisées, pour faire court. Donc, je vais essayer en anglais. So, hi everyone and thank you for coming. This presentation will be given both in French and English. I'm Mboivant at 42 and I'm going to present our student club to you. Then some active members of APT42 will speak too, and at the end you will be able to ask us anything. We'll ask all your questions in the chat or in 42 Slack in our channel or in a Framapad if you can't access 42 Slack or if you don't have a Twitch account. First of all, we chose the name APT. It means Advanced Persistent Threat. APT groups are, in short, offensive security groups. Donc, pourquoi APT42? Bah, déjà, pas pour ça. Hein. Donc, pour vous expliquer ce qu'on a envie de faire, c'est créer une communauté donc pour des personnes qui sont passionnées par l'infosec, donc Information Security, à 42, quel que soit leur niveau. Donc, et aussi, ce qu'on entend par inclusif, c'est que bah, déjà, on ne se moque pas du niveau des autres et que n'importe qui peut rejoindre l'association, en fait. On trouve important de préciser ça. Ça veut dire que vous pouvez être aussi bien confirmé que débuté totalement. Aussi, l'éthique et le respect, elles ont une place importante, en fait, pour nous, parce qu'on va produire du contenu à but éducatif et professionnalisant. On souhaite participer à la reconnaissance de 42 dans le domaine de la sécu. Et pour ce faire, on a mis en place une charte éthique. Donc, elle est dispo sur notre site. Vous aurez tous les liens à la fin, de même que les statuts. On vous laissera lire tout ça en détail. Mais pour faire court, en fait, on est là pour vous professionnaliser et on n'est pas là pour hack des comptes de réseaux sociaux, des sites ou agir de manière malveillante. Par exemple, lancer un scan de port sur un site sans autorisation, c'est illégal. Et aussi, parfois, on n'est pas au courant de ce genre de choses lorsqu'on débute. Du coup, on sera là pour vous accompagner. So, why APT42? We created this student club to build a community for 42 students who are passionate about InfoSec, information security. And maybe you wonder what we mean by an inclusive space. It means we don't want people to mock other people's level, and we mean everyone can join. So you can be already experienced or a total beginner. Some important points, ethics and respect do matter for us. So we want 42 to be recognized as a school where students are skilled in security and our content is for educational purposes only. We created an ethical chart or code of conduct, and it will be available on our website, same for the club status. We want to support you to become InfoSec professional, and there will be no place for illegal activity at APT42. Donc, les moyens qu'on va mettre en œuvre, donc il y aura la possibilité de rejoindre notre serveur Discord. Donc, le rejoindre, ça signifie que vous êtes étudiant à 42, vous avez passé la piscine et vous avez été accepté. Et il faut avoir lu notre charte et en rejoignant le Discord, c'est-à-dire que vous acceptez de vous y conformer. Donc, la charte éthique, c'est ce dont je parlais plus haut, elle sera dispo sur le site. Donc, ce serveur, en fait, ce sera un lieu pour progresser ensemble, partager, demander de l'aide. Donc pour créer une communauté.
On va aussi organiser pas mal d'activités, comme des ateliers, des conférences avec des invités, des live streams. So to build this community, we launched a Discord server, which you will be able to join if you are a 42 student. Joining it means you have read our code of conduct and you engage to respect it. This server will be a space to learn together, share and have fun. Aussi, on va organiser des sessions avec des profs, donc qui seront encadrés par exemple par Ma Costa et Will Wandré, qui sont des étudiants à 42, mais aussi Calin 42, qui est un ancien étudiant, ou Gélucha, qui est reconnu par exemple dans le Pône. We will also organize training sessions with teachers. For example, Ma Costa, Wandré and Calin 42, who are 42 students, or Gélucha. Donc pour le moment, on travaille sur deux événements dont on annoncera la sortie. Donc il y aura un événement de lancement avec trois ateliers pour débuter, donc pour avoir un aperçu. Et il y aura un CTF à la manière des boutons de 42AI, qui est l'association d'intelligence artificielle à 42. Donc si vous ne connaissez pas, ils ont fait des sessions de bootcamp pour apprendre. Celui-ci, ce sera un format CTF. Donc, CTF, ça veut dire Capture the Flag. C'est des sortes de jeux, on va dire, en sécurité. On vous en dira plus. Et durant CTF, il faudra résoudre une enquête, en fait. Vous serez dans la peau d'investigateur. Et ça vous apprendra des bases en OSINT. OSINT, ça veut dire Open Source Intelligence. C'est de l'investigation sur source ouverte. Et ça consiste à récupérer des informations sur, par exemple, les réseaux sociaux, des DB, localiser des personnes à partir d'images, ce genre de choses. C'est utilisé, par exemple, en renseignement ou pour retrouver des personnes disparues. Donc, for now, we are currently preparing two major events. So, the first one is a launching event with free entry-level workshops. And then in March, there will be a CTF. It means Capture the Flag. It's like games in security. It aims to look like 42AA bootcamps. 42AA is an artificial intelligence student club at 42 Paris. During this CTF, you will play the detective to learn OSINT skills. OSINT means open source intelligence. It's about gathering open source data. It's often applied to economic or military intelligence or to find missing people. Donc l'équipe, c'est nous. Bonjour. Chose importante, donc il y aura une différence entre, par exemple, membres et membres actifs. Donc les membres, c'est les personnes qui rejoignent notre Discord, qui bénéficient de notre contenu, qui viennent aux événements, voilà. Et les membres actifs, donc par exemple les personnes que vous pouvez voir sur cette slide, c'est les personnes qui vont s'investir dans l'association pour créer du contenu. So, here is our team. And there is a difference between being a member and being an active member. So members are people who join our community and we offer to them content and events. On the other side, active members create content for the community. Et d'ailleurs, on va sous peu ouvrir des recrutements. Pour être membre actif, on vous dira à quel poste. So, soon we will open application to become active members. Et du coup, là, je vais laisser d'autres personnes de l'association s'exprimer. Je vous laisse du coup cette slide où vous avez les liens où nous trouver. Sur le site, il y a les statuts, il y a la charte et ces infos. Pour le Discord, par contre, on travaille sur un bot pour automatiser la chose. Mais vu qu'il faut être étudiant à 42, en fait, je vous mettrai dans le Slack et autres mon tag Discord. Il faudra m'envoyer un DM et je vous inviterai manuellement. Mais à l'avenir, ça sera automatisé. Il y aura une vérification comme quoi vous êtes bien étudiant à 42. So, here are the links where to find us on the website apt42.fr. You can find the statues, the code of conduct, and you can join it on Discord, but you need to
DM me on Discord. I will post my tag in the Slack and others, because we are currently working on a bot to automate this procedure. It's not finished yet, so for now I need to add you manually to the Discord server, since we need to check if you are a 42 student. Du coup, là, je vais laisser des membres s'exprimer, puis ensuite, il y aura le... je vais laisser des membres s'exprimer, mais là, il y aura une petite pause de 5 minutes. Je ne sais pas si on m'entend sur le stream. Je vais attendre le retour 2 secondes, histoire de savoir. Ok, let's go. Bah, écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous avez aimé cette super présentation de Mathilde. Et je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Arthur. Première année, enfin du coup, deuxième année à 42, pardon. Voilà, j'ai rejoint l'association au tout début, j'ai envie de dire. Et je fais actuellement partie du CTFOSINT, enfin de la team qui prépare notamment du coup le CTFOSINT qui va arriver en mars, si je ne me trompe pas. Et voilà, j'ai commencé du coup l'InfoSec en même temps que j'ai commencé 42 littéralement, avec RootMe au tout début, et Will après m'a dit « Arthur, va sur Xbox ». Je suis donc maintenant sur Xbox, et voilà, je m'amuse à faire des box, je fais challenge aussi sur Twitter, et voilà, vraiment c'est super, tout va bien. Je vais répondre du coup à une question qui avait été posée dans le chat tout à l'heure. « Hello, à quelle année avancée du cursus vous conseillez d'être avant de commencer à s'intéresser à l'InfoSec? Faut-il avoir terminé le cercle intérieur ?» Je vous réponds donc non, vous n'êtes pas obligé d'avoir fini le cercle intérieur pour vous commencer à vous intéresser à l'InfoSec. Vous pouvez, si vous avez le temps naturellement, vous intéresser à l'InfoSec et à tout ce qui en découle en fait. Hein. En parallèle de 42 et ouais, il n'y a vraiment pas de problème avec ça en fait. Voilà, est-ce que je peux répondre à quelque chose d'autre? Il y a quelque chose de particulier à faire pour les clubs en interrogation? Bah, comme a dit Mathilde tout à l'heure, on va organiser du coup un recrutement de membres sous peu. Et du coup, non, pour l'instant, je ne pense pas. Vous pourrez rejoindre le Discord si vous avez envie de contribuer ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est bon. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi et je vais laisser la parole à mon collègue Macosta qui va sûrement vous éclairer sur certaines lumières dont je n'ai pas idée. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir écouté et puis à tout à l'heure peut-être pour répondre à des questions. Salut à tous, donc moi c'est Macosta, Mathieu, j'ai 35 ans, je suis en reconversion à 42 depuis mai 2020, donc je suis un petit jeuneau ici, c'est ma première année, je suis en train de finir ma première année à 42. Donc moi vous me retrouverez sûrement durant les ateliers de l'association. Donc je vais vous parler un petit peu des idées d'ateliers qu'on a eu pour cette année et que éventuellement je pourrais animer. Moi mon objectif cette année c'est de passer la certification OSCP qui est une certification de pentester entry level. Et donc dans le cadre de ma préparation à l'OSCP en fait ce que je vais faire c'est que je vais streamer des box Hack the Box. A priori, on m'entend pas très bien. Je vais essayer de remonter le son de mon micro. Voilà. Donc, dans le cadre de cette préparation à l'OSCP, je fais des box sur Hack the Box. Et donc, je vais être amené à streamer sur Twitch des box easy, medium, et qui sont des box OSCP-like. Pour chaque box ou presque, j'essaye de développer mes propres exploits en Python. Et donc, ce sera peut-être l'occasion aussi de faire des ateliers avec vous autour du développement d'exploits, alors que ce soit en Python, en Ruby, en Go, en Rust, même éventuellement aller plus loin pour les plus motivés, peut-être dev des exploits kernel en C. Ensuite, on peut éventuellement envisager en fait de lier l'association de cybersécurité avec des éléments du cursus.
du cursus de 42. Donc typiquement, quand vous êtes à NetWatt, on peut envisager de discuter sur des préparations CCNA, de certification réseau. Quand vous êtes sur l'IBSM, on peut envisager, par exemple, de faire des ateliers de reverse. Ou alors encore, si vous êtes à Minichel, on peut lier ce module avec, par exemple, un atelier sur la privileged escalation, etc. Voilà. Et donc, je pourrais aussi intervenir, en fait, sur des talks autour des certifications en cybersécurité, réseau, ou sur les différentes plateformes de hacking légales qui existent, Axebox, StrikeMe, vous en avez entendu pas mal parler, mais on va essayer de vous guider là-dessus, quoi. Voilà. On va essayer peut-être de répondre à quelques questions, si vous en avez. Alors, je vois une question, par exemple, Hack the Box ou TryHackMe, lequel prendre en partant de zéro? Alors, ça, c'est... moi, je dirais, de mon expérience personnelle, je dirais que vraiment, celui qui est le plus newbie friendly, ça va être TryHackMe, parce qu'il va vous accompagner, en fait, en vous donnant des indices. L'avantage, c'est que ça va pouvoir vous former une méthodologie autour du pen test. Et puis ensuite, vous allez pouvoir passer sur des plateformes qui sont un petit peu plus dures, en faisant des challenges, par exemple sur RouteMe ou sur Hack the Box. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi élargir vos horizons sur d'autres plateformes. On sait par exemple qu'il y a Offensive Security qui fait des certifications OSCP, qui a des labs. Voilà. Après, vous allez pouvoir aller piocher des labs un peu à droite selon vos envies et puis selon des skills que vous allez pouvoir acquérir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors après, pour d'autres questions un peu plus poussées sur les stages, etc., moi, vu que je suis récent, je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Je pense que peut-être que quelqu'un d'un peu plus expérimenté pourrait vous répondre. En tout cas, pour tout ce qui est donc stream à venir de Box, Hack the Box, etc., n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, parce que on va communiquer un maximum sur la chaîne Twitch pour proposer les streams de Box et les streams de coding d'exploit. Bah, je vais prendre le relais. Alors, moi, c'est Will. J'ai fait pas mal de projets pour 42, j'ai terminé 42 plus ou moins, et par rapport à l'association, on est en train de mettre en place un CTF sur l'OSIN, comme Mathilde l'a indiqué, qui sera up normalement d'ici le mois de mars. Entre temps, il y aura des ateliers et autres. Je vais essayer de contribuer aussi à faire du streaming, alors pas forcément des box, on verra, ça va être en fonction de la demande. Sinon, j'ai pas grand chose à dire à part que ce serait cool que si vous êtes motivé par la sécu ou quoi, faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Alors au début c'est un peu galère, faudra send Mathilde via Discord ou Slack ou autre pour qu'elle puisse vous inviter, ensuite ça va être automatisé. On a mis en place le site APT42FR que vous pouvez accéder là maintenant, où il y a pas mal de choses pour le moment plutôt administratives, notamment la charte et autres, pour pouvoir nous rejoindre en fait simplement. Maintenant je vais regarder quelques petites questions. Du coup, ton idée Twitch pour stream, c'est aussi vous ne vendrez absolument pas. Ça c'est l'idée Twitch qui est utilisée pour le moment, c'est l'idée de l'association. Du coup, je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes intéressé par voir ce que on va faire par la suite, en fait, on va essentiellement passer par Twitch, pardon, mais pas que en fait. On va utiliser aussi Discord pour faire des streams internes avec les ateliers et autres. Du coup, je vous conseille vivement de nous rejoindre en fait.
Ensuite, pour une question de plus professionnelle, entre guillemets, sur le fait que pour trouver un stage, est-ce qu'il faut avoir des notions ou autres? Alors oui, de base, c'est toujours intéressant d'avoir des notions, peu importe lesquelles, quand on va dans un stage, en fait. Après, quelles sont les notions obligatoires ou pas à avoir, bah, ça dépend du stage dans lequel vous voudrez aller, en fait. Dans tous les cas, en réalité, plus vous avez de choses à vendre, entre guillemets, c'est-à-dire si vous faites du RouteMe ou du Hack the Box ou du TryHackMe ou autre, bah, c'est une chose que vous pourrez vendre au moment de l'entretien, en fait. Du coup, bah, il n'y a pas de, de base, on va dire. Il y a juste des choses à faire en avant tout, bah, notamment, je sais pas, si tu as envie de faire du pentest web, bah, tu as intérêt de d'apprendre un minimum ce que c'est le pentest web, quoi. Après, non, il n'y a pas de. Enfin, c'est difficile à répondre là comme ça. Sinon, bah, pour le cursus, comme l'a dit Mathieu, en réalité, ça dépend pas du cursus, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Il n'y a pas d'obligation. À partir du moment où vous êtes à 42, vous avez des notions de programmation. Du coup, vous pouvez commencer par là, en fait. Vous pouvez commencer à faire des choses à ce niveau. Il y a beaucoup de sites qui sont disponibles, notamment RouteMe, Hack the Box et autres. Qui vous permettent de vous aider à vous lancer. Et dans l'assaut, en fait, on va avoir pas mal de choses qui vont vous aider à vous lancer si vous avez un peu peur de vous lancer via ce genre de site. La différence entre CTF 42 et APT 42, bah, ça, ce sera pas à moi de vous répondre, ce sera une autre personne. D'ailleurs, bah, là, j'ai monopolisé un peu trop la parole, du coup, je vais vous repasser Mathilde, et puis, elle va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions via le pad qui est sur dans le chat, si jamais vous n'avez pas de compte Twitch. Et dans tous les cas, le pad sera up pendant une ou deux semaines. Du coup, on va garder vos questions et on répondra en temps et en heure et on vous fera parvenir les réponses le plus vite possible. Voilà. Bon, bah, je vous laisse en compagnie de Mathilde maintenant. Me revoilà, donc Mathilde, et donc je vois les questions Hack the Box versus TryHackMe, lequel prendre en partant de zéro. Plutôt TryHackMe pour commencer, qui est plus guidé, et petit à petit se mettre sur Hack the Box en commençant par les challenges, puis ensuite les box qui sont rank easy, et puis monter petit à petit. Mon autre question, 42 CTF, la différence entre 42 CTF et APT 42, je pense que 42 CTF c'est plutôt un site de challenge, donc comme RouteMe par exemple, et nous on va pas faire de site de challenge, ce qu'on veut faire c'est plutôt d'un côté communauté, partage, mettre en... à disposition des ateliers, des live streams. Pour préciser ce qu'on va faire, en fait, ça va être... Donc déjà, on aura des ateliers, encadrés par des personnes comme par exemple Macosta, des live streams où, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous montrer en live sur le Discord comment, par exemple, faire une box retired sur Hack the Box. On aura des tables rondes et des conférences, donc on va essayer d'inviter des personnes qui vont venir parler, que ce soit pour vous expliquer leur parcours, une compétence en particulier. Et on va faire des événements, donc
plutôt comme des training sessions, un peu comme l'association 42AI faisait. Et nous, ça ne sera pas des bootcamps sur une semaine, mais plutôt des CTF, donc par exemple sur un ou deux jours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des CTF, mais on a un repo de ressources qui est en ligne, qui est dans le Slack. Je vous le remettrai peut-être. Et en fait, dans ce repo, il y a par exemple des liens vers des CTF qui sont terminés, mais que vous pouvez refaire chez vous comme entraînement. Et nous, c'est ça qu'on va faire, c'est plutôt des sessions qui seront sur un ou deux jours. Et en groupe, en fait, faudra faire des résoudre des challenges à chaque fois sur un thème. À quelle avancée du cursus vous conseillez être avant de commencer à s'intéresser à l'infosec? Faut-il avoir terminé le cercle intérieur? Je crois que oui, il a déjà répondu, mais faut faire ce qui vous fait plaisir. Genre, vous pouvez vous y mettre quand vous voulez. Il faut pas avoir peur de se lancer, même pour ce qui est de faire des CTF. Faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Faut pas viser un rang, arriver top 1, top 2, top 3, mais c'est vraiment pour apprendre. En fait, plus on va en faire, même en débutant total, plus en fait on va acquérir des automatismes. Donc il faut toujours se lancer et pas se mettre la pression. Alors, je crois que toutes les questions, on a répondu à toutes les questions, il me semble. Une question qui revient souvent en DM, c'est que ouais, je n'hésitez pas à m'écrire par DM pour le Discord. Je vous enverrai l'invitation manuellement. Donc désolé, ça prendra peut-être du temps. Je vais essayer de faire des sessions aujourd'hui et demain pour faire des batchs d'invitation et tout. Donc parce que là actuellement je vais faire ça manuellement. Et est-ce que pour repréciser vraiment ce que va faire l'asso, c'est ça va être un peu, si vous voyez l'autre asso 42AI, c'est un peu comme ça, atelier, conférences, événements et sessions comme des bootcamps mais en groupe. Mon tag sur SAC pour DEM, c'est mbo20, mon login 42. Donc mon login il est en haut à gauche là, c'est mbo20, vous pouvez m'écrire ici sur Slack. Du coup on va terminer s'il n'y a plus de questions. Et de toute manière en fait n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, enfin du coup à m'écrire pour que je vous ajoute, et puis là vous pourrez vraiment poser vos questions entre vous, et c'est vraiment dans un but d'échange ou même de faire des équipes pour aller en CTF ensemble. Donc voilà. Ah oui, une dernière précision, là j'ai vu une question, c'est qu'est-ce qu'on entend par no spoil, no flag leak pour les CTF et les challenges? C'est qu'il ne faut pas donner les réponses en disant ah, tel challenge sur Hack the Box ou Me, le flag c'est ça, voici la solution en fait. Ça c'est interdit, on a le droit de s'entraider mais il ne faut pas donner de réponse toute faite, un peu comme les projets 42 d'ailleurs. Et voilà, bah merci tout le monde, et puis enfin, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses, et puis on a hâte de vous voir, que ce soit dans le Slack, le Discord ou des ateliers à l'avenir.